Le client, lorsqu'il monte sur notre bateau, va effectivement passer entre 7 et 15 jours à bord. On les prend totalement en charge et il ne faut pas qu'il s'ennuie. Ponant, c'est une société de croisière positionnée sur un segment très spécifique qui est à la fois luxe et expédition. L'idée est d'avoir des bateaux relativement petits, hein, d'entre 200 et 250 passagers. On va emmener nos clients vers des expériences extrêmement originales, vers des lieux où les autres ne vont pas. Un bateau de croisière, il y a beaucoup d'acteurs, notamment les acteurs locaux, que ce soit pour opérer les opérations portuaires, les excursions, les transferts, tout doit s'enchaîner parfaitement. Pour ça, effectivement, il faut que la bonne information soit au bon moment. On était arrivé aux limites en termes d'interface, c'est-à-dire que le côté point à point ne pouvait plus être maintenu. Kerus nous a aidés à choisir la bonne plateforme. Ils nous ont donc proposé la solution Talend, qui est capable aussi bien de faire des API, de l'ETL, de l'ESB. Ils l'ont implémenté et ils sont encore évidemment partenaires principaux. On est dans un environnement cloud multiple. Pour la partie Talend, on est dans l'offre SaaS de Talend. Par contre, on a également notre cloud privé, sur lequel, par exemple, on va avoir nos sites web, et puis des solutions pure cloud, telles que Salesforce. Donc tout ça, ça discute ensemble. Talend Cloud API est une offre qui nous a tout de suite intéressés. L'idée étant de permettre à tous nos clients B2B, c'est-à-dire les agences de voyage et tour opérateurs, de venir chercher l'information pour la mettre aussi à disposition de leur propre système d'information. Par exemple, calendrier de croisière, tout ce qui est pricing et également tout ce qui est disponibilité, quasi en temps réel. La nouvelle architecture basée sur Talend nous permet de gérer beaucoup plus d'informations et donc de préparer encore mieux le parcours client. Un client qui cherche effectivement une croisière, l'objectif c'est qu'il trouve rapidement l'offre Ponant. Et puis qu'à partir du moment où il a booké, il a son carnet de voyage, il a son environnement My Ponant et il va pouvoir commencer à se projeter dans la croisière. Au fur et à mesure que la croisière arrive, on va lui pousser de l'information pratique pour préciser les horaires, le rassurer sur ses correspondances. Et puis, à un moment, il va arriver à bord du navire. Il va retrouver, notamment en digital, les services qu'on peut proposer, que ce soit spa, excursion, boutique. Donc, tous ces éléments-là vont permettre de mettre en place un environnement pour le client qui va correspondre parfaitement à ses besoins.